exploré ça par le corps. Chaque lieu a été exploré par le corps. Et ce sont d'autres choses qui se sont révélées, qui étaient absolument pas du tout présentes lorsque les gens l'avaient visité avec le regard, avec les sensations. Non. Explorer un lieu par le corps, c'est encore autre chose. Et c'était une grande découverte aussi pour moi d'avoir fait ça. C'était... Du coup, ça amène des richesses insoupçonnées vers lesquelles on va dans le travail. Marquer un petit peu les consciences et quelque part peut-être éveiller à peine un petit peu un questionnement de la part de ceux qui sont aux manettes, ont la capacité de faire évoluer les choses, et bien peut-être qu'on aura gagné le pari de préserver, de pérenniser ce patrimoine-là. Donc à chaque fois, il y a un truc comme ça qui s'arrête, comme un ressourcement. Je remets. Pour avoir rencontré les élus sur cette question de « et l'avenir de la friche Brusson ?» Eh bien, l'avenir, il a été plombé pendant un certain temps par le fait que secteur en zone inondable, gros risque d'inondabilité, et donc, officiellement, sur le papier, il est impossible d'en faire quelque chose. Que je sache, l'élu n'est rien d'autre qu'un citoyen lambda qui, à un moment donné, a pris un engagement. Et si on voit certains qui deviennent des vedettes, la plupart des élus restent des gens comme vous et moi, qui font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Ces moyens diminuent de plus en plus. Donc il s'agit effectivement, par notamment de l'action culturelle, de tout d'un coup focaliser le regard, attirer l'attention sur quelque chose qui a un intérêt hors du commun et qui peut-être, en fédérant des citoyens, en fédérant des acteurs du territoire, même économiques, pourrait être pérennisé, valorisé et pourrait même devenir une polarité qui contribue au dynamisme du territoire. Au début, le faire très machinalement, et sachant qu'il y en a parmi vous qui devront demander aux gens de se lever pour prendre la chose de la poser, et que d'autres devront...